Son fils, Georgi Cziffra Jr., 30 ans, va diriger l'orchestre. Ici, attention pour le préparer la suite, monsieur. Parce qu'il y a beaucoup de notes. Hein. Ouais, pour le pauvre pianiste. Attention. Hein. Bien sûr. Voilà. Voilà. C'est toujours le pauvre pianiste. Ah, bien sûr. Et le pauvre chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas peur pour le chef d'orchestre. Ouais. Non, moi non plus, je n'ai pas peur pour le pianiste. Hein. Alors, bon, alors nous sommes quittes, monsieur. Hein. Très bien. D'accord. Oui, allez, bon. On continue. Allons-y. Bon. Soyons sérieux. Bon, allez. Parce que, bon, c'est un boulot, hein, monsieur. Voilà. Allez-y. Oui, monsieur. Oui, papa. Allez. Merci. Bon. C'est à Budapest qu'il a débuté. À 5 ans, il jouait du piano dans les foires. Débuts obscurs d'un pianiste qui allait éblouir le monde entier. Ce soir, il retrouve Liszt. Et quand Cziffra retrouve Liszt, il faut retenir son souffle en ayant conscience de vivre des minutes exceptionnelles. Les mains d'or de Georgi Cziffra sont assurées 500 000 chacune. Mais le contrat stipule interdiction absolue de manier quelque instrument que ce soit, à part le piano bien entendu, et de signer plus de 200 autographes par jour. Très ému, il s'adresse dans sa langue natale à son public privilégié. Monsieur l'ambassadeur de la France, excellent. Engedjék meg, hogy ne folytasson, mert nagyon fáradt. Debout, les spectateurs l'acclament. Budapest, tout entière, est touchée au cœur. Eh bien, ça y est, c'était fait. C'était. Bravo, Georges. Bravo à toi. Bravo, tu vas. Oh, que c'est un blague. Merci, merci, Georges. Thank you.
Thank you.